Tarek Boudali, donc c'est vous qu'on reçoit aujourd'hui comme réalisateur, et Philippe Lachaud, simplement comme comédien. Donc maintenant c'est Épouse-moi mon pote, donc c'est la nouvelle bande qui maintenant fait parler d'elle à chaque film, et en même temps vous nous régalez à chaque fois que les films sont présentés, parce que vous présentez des sujets vraiment d'actualité, et puis on sent que c'est documenté et c'est collé à la réalité, mais en même temps on rit de ça, de ces sujets-là. C'est le but, d'avoir des vrais sujets de fond. On traite, là pour le coup, on traite de manière très légère, voilà, pour dédramatiser un peu le sujet. Il y a plusieurs d'ailleurs thèmes qui sont abordés, le thème principal étant l'amitié, jusqu'on est prêt à aller par amitié. Alors, c'est vrai qu'il y a l'homosexualité, il y a la clandestinité, il y a plein de thèmes qui sont abordés. Je les traite de manière légère, voilà, pour rendre ça, comme je le dis, de manière que ça soit plus léger, pour que les gens rigolent. Et après, si on peut faire réfléchir les gens, parce qu'il y a un message, c'est de se respecter les uns les autres. Est-ce que je peux vous dire que votre film va être important dans l'histoire du cinéma par rapport au sujet, justement? Parce que c'est vrai qu'il y a des références comme ça. Est-ce que vous en avez des références filmiques par rapport à certains films sur la communauté gay, justement? Est-ce que vous avez des références par rapport à certains films? Est-ce qu'il y a des films? Oui. Des comédies? Des comédies, non. La Cage aux Folles, non, peut-être? Mais je ne m'en rappelle même pas. Vous l'avez pas vu? Il y avait Pédale Douce, voilà, ça a été aussi une autre génération. Vous les avez pas vus, ces films-là? Si, je les ai vus, mais franchement, je ne m'en rappelle même pas, en fait. Donc vous aimeriez un peu être le même phénomène que... Bah, c'est pas le but, hein. C'est pas de devenir une sorte de référence au phénomène et tout. Le but vraiment principal, c'est de faire marrer les gens. Là, pour le coup, ce sujet-là, je pensais qu'il y avait quelque chose à faire pour rire. Il y a les clichés. Donc peut-être que votre personnage Philippe est celui qui justement l'utilise le plus, mais on va pas dévoiler pourquoi. Mais en même temps, ce sont des clichés qui sont cassés à chaque fois. Ouais, c'est ça. C'est là que Tarek était malin sur l'écriture, c'est-à-dire que en fait, à aucun moment il se moque de la communauté homosexuelle, il se moque de deux gars, son personnage aussi, de deux gars qui sont complètement naïfs et qui ont une vision très très étriqué, très cliché des homosexuels. Donc c'est de ça qu'on va se moquer, avant tout.